Donc, on va reprendre le cours aujourd'hui où on l'avait donc laissé la semaine dernière. C'est-à-dire, on parlait des adresses multicast. Et on avait vu qu'une adresse multicast, c'était pour nous, hein, on pourrait avoir des adresses plus complexes, mais si on ne regarde pas la gestion du multicast dans l'ensemble du réseau, une adresse multicast va commencer par FF. Donc les 8 premiers bits seront définis par FF. Ensuite on aura 0. Cette partie de drapeau sert uniquement pour la gestion de groupes multicast à l'échelle de l'Internet. Et ensuite, point important, on aura un scope ici qui va nous donner donc la portée du paquet multicast sur le réseau. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant parce que en IPv4, vous avez la possibilité de le faire maintenant. Mais à l'origine, c'était le TTL, donc le champ TTL qui vous limitait le scope. Et il fallait manipuler deux choses. Et si vous oubliez de manipuler le TTL, eh bien vos paquets pouvaient être envoyés partout sur Terre. Donc pour éviter ça, donc on l'inclut au niveau de l'adresse, donc jusqu'où on doit aller. Et on avait vu qu'il y avait deux valeurs qui allaient nous intéresser, c'était FF02. FF02 ici ou FF05 qui sont à peu près les deux scopes que vous verrez dans les réseaux. Alors ensuite on avait regardé la semaine dernière aussi un certain nombre d'adresses. On avait vu FF02:2.1, ça indiquait l'ensemble des routes, des liens, des équipements connectés sur un lien. Et on avait vu que c'était très pratique pour découvrir l'ensemble des stations sur un réseau. On avait vu aussi que ce n'était pas vraiment une faille de sécurité, parce qu'on ne peut le faire que lorsqu'on est sur le réseau. Donc, vu de l'extérieur, on n'a pas le droit d'utiliser ce genre de technique pour créer un duplicateur de paquets. On avait vu aussi donc FF02, qui était tous les routeurs, et cette adresse, FF02:2.2, qui était pour tous les routeurs. Et ça, c'est aussi une adresse importante, on la reverra tout à l'heure, quand on regardera les mécanismes d'autoconfiguration d'IPv6. Après, quelques groupes, ici, et ce qu'on avait vu, c'est que le dernier octet représente à peu près la même valeur que ce que vous avez en IPv4. Donc comme ça, vous n'êtes pas perdu. Et il restait donc un groupe qu'on n'avait pas encore regardé, qui concerne les adresses donc qu'on appelle sollicitées et qui sont quelque chose d'assez nouveau dans IPv6. Alors, comment ça marche? L'idée, c'est d'abandonner ARP. Parce que, vous vous rappelez, en IPv4, on a un protocole qui s'appelle ARP et vous avez une machine qui veut, donc machine A qui veut parler à une machine B. Donc la question, c'est on met l'adresse MAC A en source, ça c'est pas dur, on l'a en mémoire. Par contre, on doit trouver l'adresse MAC de B. Et l'adresse MAC de B, évidemment, on l'a pas, il n'y a aucune formule mathématique en IPv4 qui nous permet de passer d'une adresse IPv4 à une adresse MAC 48. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on envoie grâce au protocole ARP une requête, donc on pourrait dire de paging, hein, si vous reprenez le vocabulaire de la 3G, dans lequel on demande quelle est l'adresse MAC de la machine dont l'adresse IP est B. Donc cette trame est envoyée en diffusion, c'est-à-dire que l'ensemble des stations la reçoivent et l'ensemble des stations doivent traiter ce message. Une seule va reconnaître son adresse IP et cette machine-là va retourner son adresse MAC. Alors le problème d'ARP, c'est qu'il est il est basé sur la diffusion, c'est-à-dire que l'on va embêter toutes les stations, même celles qui n'ont pas la bonne adresse, par cette requête. Alors on va essayer d'optimiser ça et en optimisant ça, on permet aussi de mieux gérer la scalabilité, la résistance aux facteurs d'échelle du réseau. Alors comment on fait?
Alors, il y a une première étape, ça, c'est pas vraiment multicast sollicité, mais la première étape consiste à créer, comme on l'avait vu, nos adresses MAC, nos adresses IP, pardon, donc l'adresse IAN locale, l'adresse globale, en partant, par exemple, de l'adresse MAC. Alors ça, c'est juste un cas. On a vu la semaine dernière qu'on pouvait également tirer un nombre au hasard. Ou, ce que l'on peut faire aussi, c'est affecter manuellement un identifiant d'interface à une adresse IPv6 pour s'en rappeler facilement. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va ensuite créer un groupe multicast. Ce groupe multicast sollicité, donc on va le reconnaître par la séquence, le préfixe FF02.2.1. Et après, ce que l'on va faire, c'est prendre les... on va mettre FF, et on va prendre les trois derniers octets de l'adresse IPv6. Donc on voit qu'ici, en prenant cet algorithme, l'adresse lien local et l'adresse globale créée par l'utilisation de l'adresse MAC vont conduire au même groupe multicast. Et de l'autre côté, l'adresse que l'on a créée manuellement, elle va faire un autre groupe multicast sollicité. Alors quel est l'intérêt de ça? Eh bien maintenant, quand je cherche B, ce que je vais faire, au lieu d'émettre sur un canal en diffusion qui est reçu de tout le monde, ce que je vais faire, c'est utiliser un canal multicast. Donc je cherche B, je fais cet algorithme, et j'en déduis l'adresse multicast. Et j'envoie cette requête sur le canal multicast. Sur ce canal multicast, il ne va pas y avoir grand monde. Il y aura peut-être une station qui s'est abonnée, c'est celle qui avait l'adresse MAC, l'adresse IPv6 que je recherchais. Et cette machine-là va me répondre. Si je cherchais une autre adresse, eh bien j'aurais utilisé un autre canal multicast, et là, ça serait une autre machine qui serait abonnée dessus, et cette machine-là m'aurait répondu. Alors, on va dire combien il peut y avoir de machines sur un groupe multicast. Alors, en fait, on va en avoir très peu, parce que, vous voyez, si vous regardez ici, si je génère mon adresse en fonction de mon adresse MAC, les trois derniers octets définissent mon numéro de série. Donc, si je n'ai que des ordinateurs HP, le numéro de série sera différent. Et donc, toutes mes machines seront sur un groupe multicast différent. Si j'ai des ordinateurs Dell et HP, eh bien, il y a un risque que les trois derniers octets soient communs, mais le risque est très faible. Et même si ce risque existe, j'aurai deux machines qui appartiennent à mon groupe multicast. Donc les deux machines traiteraient la requête. Celle-là s'apercevrait que ce n'est pas l'adresse qu'on recherche. Donc celle-là ne répondrait pas. Donc en fait, on va embêter une machine de plus, mais c'est très peu par rapport à l'ensemble des machines qu'on devait atteindre en utilisant donc la diffusion généralisée, en utilisant le broadcast. Donc, on gagne pour rechercher une machine à utiliser les adresses sollicitées. De même, si je prends par exemple une adresse globale préfixe 1, pour avoir donc deux machines qui soient dans le même groupe multicast, il aurait fallu que je fasse global préfixe, mettons 001.0000000001. Donc de cette manière-là, en prenant par exemple les trois derniers octets ici, cette machine-là aurait donné le même groupe multicast que l'autre. Donc là, je pourrais prendre toutes les valeurs que je veux, et à chaque fois, ça donnerait le même groupe multicast. Mais évidemment, ça, il faut vraiment être très pervers pour numéroter ces machines de cette manière-là, parce que, à moins que vous ayez une logique interne en disant « ça, c'est le bâtiment, et puis ça, c'est le VLAN » ou quelque chose comme ça, vous avez peu de chances que toutes les adresses se terminent par les trois mêmes derniers octets. Dans ce cas-là, ils appartiendront pas au même groupe multicast. De plus, si je prends par exemple l'exemple d'un bâtiment,
il faudrait que tous les bâtiments soient pontés pour que ça ait un impact. Si on route entre les bâtiments, bien là, comme on est sur des trams qui ont une portée uniquement au niveau du lien local, eh bien, on ne va pas arroser l'ensemble du réseau. On n'arrose que le lien. Donc, cette astuce ici nous permet d'augmenter la scalabilité de l'ARP. Alors, on ne va plus l'appeler ARP, mais on appellera ça Neighbor Discovery. Donc, on peut avoir des réseaux plus grands au niveau physique parce que on n'inonde plus tout le monde avec du broadcast. Alors, la dernière étape, une fois qu'on a ça, eh bien, c'est de retransformer l'adresse multicast IP en une adresse multicast MAC. Et donc, une des moyens de le faire, quand on est sur des MAC 48, c'est de prendre les 4 derniers octets, ici, FF04-05-06, et on rajoute devant 33-33. Et donc, comme ça, je peux envoyer ma requête sur une trame multicast Ethernet, par exemple, ou Wi-Fi. Donc voilà pour le multicast sollicité. Alors si on regarde maintenant une interface, par exemple ici je suis sur un routeur Cisco, donc je suis sur une interface qui est une interface virtuelle, qui est un numéro de VLAN, eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois que mon routeur a deux adresses IPv6, une qui est FE80, donc 2.2.203, FDFF, etc., etc. Et j'en ai une autre ici, qui est une adresse globale. Et donc on voit que la terminaison est la même, l'identifiant d'interface est la même. Donc là, ça veut dire que l'adresse globale a été générée automatiquement. À partir de là, si on regarde la suite de la définition de l'interface, eh bien on voit que l'on a, cette interface est adjointe 4 groupes multicast. Premier groupe multicast, c'est l'ensemble des stations sur le réseau, l'ensemble des nœuds sur le réseau. Ça, c'est logique, tout le monde le fait. Ensuite, comme c'est un routeur, il appartient aussi au groupe de tous les routeurs. Comme le protocole RIP a été lancé sur ce routeur, il appartient au groupe du protocole de routage RIP. Et on a ici l'adresse multicast sollicitée qui couvre l'adresse lien local et l'adresse locale, globale. Si on avait mis, par exemple, une adresse globale en 2.2.1, eh bien, on aurait aussi l'appartenance à un groupe multicast pour cette adresse globale que l'on aurait forcée. Donc, vous voyez qu'ici, on généralise l'emploi du multicast. En IPv4, on a très peu d'abonnements à des groupes multicast. En IPv6, c'est la norme.